prof mit une question sur le tableau. Tous me regardent comme s'ils voulaient ma peau. Salut, c'est Kid avec un nouveau band à vous faire découvrir. Ils viennent de Montréal, ils viennent faire un petit tour à Québec et on en profite pour rencontrer Bonnie Suba. Et comme moi, la première fois, vous dites quoi? Non, Bonnie Suba, B-O-N-I-S-U-B-A, voilà. Et on va en savoir plus avec Julien, Pascal et Louis, trois des membres du super groupe, parce que vous êtes six au total, c'est ça? Oui, on est un gros groupe à deux chanteurs et quatre musiciens. Question, Pascal, on commence avec toi. On veut savoir, Bonnie Suba, c'est quoi? Ça vient de où? Bonnie Suba, c'est six gars, en fait, six bons amis qui sont allés au secondaire ensemble, qui ont évolué, qui ont joué de la musique, qui se sont mis à jammer dans des parcs, puis qui ont concrétisé, dans le fond, une espèce de rêve de pouvoir faire un album. C'est vraiment très diversifié comme approche musicale. On va en reparler de l'approche musicale, mais il faut justement te parler de rêver, de quand vous êtes six dans un band, commencer comme ça. On est en 2009, on connaît le marché de la musique. Il doit avoir une passion, un rêve assez grand, peut-être, Louis? Bien, dans le fond, on s'est jamais donné d'objectif. T'sais, nous, on jamais dans des parties, dans des soirées pour le fun, puis c'est vraiment venu naturellement. T'sais. Dans le fond, c'est un gros melting pot de tous nos styles. On se laisse aller quand on joue, puis on expérimente. Puis finalement, ça finit par donner des chansons. Puis il y a quelqu'un qui a voulu nous faire un CD. Ça fait que c'est tant mieux. Là. On a le mot melting pot, le mot aussi plusieurs influences. C'est ce que moi, j'ai remarqué quand j'écoute l'album. Est-ce que cette influence-là vient d'un peu tout le monde? Vous avez tous le même melting pot parce que, bon, il y a du rock, évidemment, à la base, mais il y a du reggae là-dedans, il y a du hip-hop aussi. C'est ce qui fait un peu votre son, je pense, le mélange de tout. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est assez difficile. Nous, on a bien de la misère à définir exactement c'est quoi notre style. Mais, tu sais, on est six gars qui trippent musique, puis on a tous des iPods complètement pleins avec de la musique vraiment différente, mais des choses qui se rejoignent aussi. Donc, ça fait vraiment un style explosé, si je pourrais me permettre. Puis comme Louis dit, ben, t'sais, on est un groupe qui jam. Donc nous, on part à un moment donné sur une vibe, puis ben là, on est un petit peu plus reggae, là, on est un petit peu plus hip-hop. Fait que c'est un peu ça qui fait un album très diversifié. Là. Ça part bien. La première partie du mât, le vidéoclip qui tourne également, qui a une très bonne réaction. Le premier extrait aussi qui tourne ici sur Énergie, qui fait en sorte qu'on va apprendre à vous connaître. Merci beaucoup d'être arrêté à Québec nous voir, les boys. Très plaisir. Un gros merde pour Bonnie Suba. Pour le reste, ça part très, très bien. On vous conseille l'album Tout le monde disponible en magasin. Ça s'appelle simplement Bonnie Suba. Merci beaucoup. Ciao, Québec. Kid Godak.